Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser 2-3 trucs. Tout d'abord, ce compte sera à gagner, les amis. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre je participe, j'annoncerai le gagnant dans la prochaine vidéo, bien évidemment. Et secondo, vous inquiétez pas, après ces vidéos de Cannes là, je vais me lancer dans des projets, les amis, dans des projets sur des jeux vidéo, IRL, tout ça. Vous allez voir. Enfin, bref, j'aime bien le préciser parce que j'ai pas envie de décevoir ma communauté. Petite communauté à faire du Dokkan alors que je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas trop ça, tu vois. Mais vous inquiétez pas les amis, il y a des projets qui arrivent, vous allez kiffer je pense. Allez, sur ce, bonne vidéo. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube les amis et à activer les notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. Jack it up. Hey salut les amis, c'est Polyx, j'espère que vous êtes tous très 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 bien. Moi ça va super bien les amis, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dokkan Battle les amis. Encore sur le petit compte qui sera à gagner à la fin de la vidéo les amis. Je vous le redis, n'hésitez pas à mettre je participe dans les commentaires et le gagnant sera annoncé à la prochaine vidéo. Les amis, je vais pas vous faire attendre plus que ça. On va commencer direct. Là les amis, il va y en avoir du suspense. C'est pas comme le step up où tu sais que t'as des trucs. Là si j'ai un... Putain, allez, micro. Là si j'ai un truc mon pote, t'inquiète pas. 4 persos, ok, ok. Ok, arc-en-ciel, ok, les amis, c'est pas comme le step up, mais on peut avoir quelque chose. J'ai confiance en vous. Je sens que comme le compte, vous pouvez le gagner, vous allez me donner de la chance, tu vois. Ce qui paraît un peu plus logique. J'étais un peu perdu. Oh, un petit Trunks. Wow. Bah dis, super. Le canon Garrick Perfis. Les deux dans la même ulti, ça fait plaisir. Allez, ça fait plaisir. Les deux ZTER, bien évidemment. On a un peu de chez CG3, donc... Allez, ça rattrape la vieille animation qui est au début. Mais Goku tout seul, je m'y attendais pas du tout. Puis moi, j'ai passé comme un trou du cul. Les amis, vous voyez ce que... Voilà. Quand je vous dis à chaque fois, je vous le répète, les animations de merde. Et moi, ça fait 10 000, putain. Mec, un doublon sur le Goku SSJ4 Full Power. Et oui, car pour ceux qui n'ont pas, vu la vidéo sur les step-up, je les drop dans une multi qui était magnifique. Mais voilà, un petit doublon sur le Goku SSJ3, SSJ4 Full Power, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. Attendez, je vois vite fait... C'est moi, j'avais soif. Wissan. Wissan. C'est 3. Ah, c'est Gigot. Oh, bah tiens, petit SSJ God qui tombe. Mais ça fait plaisir, ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... Oh là là, mais mec. Là, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Ça commence. Là, ça commence. Eh oui, monsieur. Putain! Enfin, perso qui tombe! Le Nair! Le Nair! Et en tapion, il de garde, un leader forme géante! Allez! Je suis en caleçon, et alors, mon pote? Mec, c'est quoi ça? D'habitude, quand j'ai un SSJ Gun, mon pote. J'ai que des vieux persos, des persos hors détecteur qui datent de des milliards et des milliards d'années. Et là, mec, j'ai 3 leaders catégorie. Non mais c'est quoi ce bordel là? C'est quoi cette multi de dingue? Et c'est pas fini en plus. Et c'est même pas fini. Putain mais mec. Oh j'ai. Non mais c'est abusé cette multi les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le nouveau Nail qui est tombé. Le nouveau Nair. Oh là là, leader Namek. Putain, les deux là, Nail et Piccolo. Le Thales, leader boss de film. Et le Tapion, Hildegarn. Hildegarn, leader forme géante. Vegeta, me skip pas. Espèce de... Oh, j'ai entendu la voix de Vegeta.
Oh, Dokkanfest. Oh putain, mec, 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 je t'en supplie. Donne-moi le piccolo. Allez, le piccolo. S'il te plaît, le nouveau. Allez, fais pas la salope. Le piccolo, putain. Allez. Allez. Allez, le piccolo. Je crois en toi, là, Dokkan. Mec, mec, c'est un Dokkanfest lui vraiment? Alors, je l'ai jamais testé, d'accord? Je ne doute pas du tout de lui. Mais putain, mec, tu peux me donner autre chose. Mec, t'as vu les persos qu'il y a dans le détecteur et lui il me donne lui. Je sais pas moi, putain. Ah, t'as laissé les détecteurs, j'avais pas vu ça, tiens. Et ça pique un peu là. Tenshin Chozu, je crois que c'est détecteur. Attendez. C'est quoi cette animation? Ça veut dire quoi, Zeno? Ça veut dire quoi, Zeno? Me dis pas que ça veut dire LR. Ou ça veut dire quoi, les Zeno, mec? Mec, j'ai jamais eu cette animation. Mec! Ça se trouve, c'est le perso en vedette. Non. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, les Zeno. Oh, le piccolo, mec. Le piccolo qui va... Non. Non, arrête tes conneries, pas ça. Oh, la Switch! Le piccolo! Les amis, le piccolo qui tombe. Alors, désolé, je crie pas trop parce que il est tard chez moi. Tu vois, donc je peux pas me permettre de crier. Je précise, hein, parce que sinon j'aurais. Oh, le piccolo, les amis, enfin, il est enfin tombé après 750 DS. Les amis, là, allez, oh, hop. Regardez-moi ce personnage, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est badass. Putain, et le Vegeta SS3, un deuxième doublon. Mais je vais pas m'arrêter là. Oh! Ça tombe sur Bou! Walidou, Walida. Ça tend sur Bou plus au Walida. Si tu me redonnes pas le pi. Non, pas pour ça. Pas pour. Thalès! Thalès qui tombe! Un doublon! Un doublon plus dispo! C'est pas fini! Non mais là, mec, c'est. C'est pas possible, les amis, j'ai une chatte, mais elle est. Putain, mais mec, mec, mais mec, mais c'est quoi ça? Et c'est pas fini en plus. Je suis Mec. Mec. C'est quoi cette multi? Oh là 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 là. Non, non, mais là, c'est abusé, là, mec. Mec, Thalès. Goku, Super Saiyan et Piccolo. Oh lol. Oh. Mec, c'est. Oh. Et là, je crois. J'arrive pas à y croire à cette multi, mon pote. Mec, les petits Zeno comme ça. Putain, mec, cette vidéo. Oh, le caméra long. Oh, ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire quelque chose. Un petit Dokkanfest. Imagine, il y a un Piccolo qui retombe. Mais mec, c'est pas possible. Mais mec, mais non, mais là c'est abusé, je vais l'avoir à 100% une vidéo quoi. Oh là 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 là, mec, j'adore là, j'adore ce que je vis. Mec, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien les vidéos en vocation. C'est pour ça. Pour cette grosse chatte, mon pote. Et c'est pas fini, la multi elle est pas finie. Ça se trouve, on va avoir une multi de Kefla, la Kefla, mais qui tombe, allez. Une leader Potara. Oh là 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 là. Mec, déjà. Oh, déjà 3 piccolos de drop. Eh, je m'en fous, je continue. J'aurais dû fermer ma gueule. Les amis. Alors, j'espère que je vais le drop. Hein. Et le métal couleur qui tombe. Qui tombe, un nouveau leader. Un nouveau leader, les amis. Lignée diabolique, ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir. Et si le piccolo, il peut retomber avant la fin? Ce sera encore plus génial. Non mais là mec, c'est abusé là, putain, mais mec, je veux le garder pour moi le compte.
Regardez-moi ça, 3 Piccolo, un Kula, un Super Vegitos, Goku Persienne, Bou Absorption, Gohan Ultime, Goku Black, Bardock SC3, Golden Freezer, Hit, 2 Goku SC4 Full Power, 2 Thales, Broly SC3, Metal Cooler, Towa, Gotenks SC3, and Trunks LR, Bojack LR, Goku SC3 LR, Kefla, Piccolo Daimao, Nail, Tapion. Les amis, regardez, 3 Vegeta SC3, puis ZTUR, les amis, ce compte, il est juste magnifique, les amis. Il est magnifique, 3 Piccolo, les amis, c'est un monstre de puissance. J'ai juste ça à dire. C'est un monstre de puissance. Regardez-moi sa carte, mec. Attaque et def plus 120%. Réduit de 40% les dégâts encaissés. Plus les PV restants sont élevés, plus les chances de coups critiques augmentent. C'est 40% maximum de coups critiques, hein. Dis-toi ça. 6 PV restants à 77% ou moins, récupération de 7%, de 10% des PV, autant pour moi, et permet de prévoir les attaques spéciales. La carte, elle est parfaite. La carte, elle est parfaite, je vous le dis, moi. Et regardez, augmente fortement l'attaque pendant un tour, inflige des dégâts immenses et grande chance d'étourdir l'ennemi. Mais mec, là, franchement, cette carte-là, les amis, en fait, j'ai envie d'invoquer avec mon compte, tu vois. Mais je sais que c'est pas le bon choix. Je sais que c'est pas le bon choix. Voilà, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus, les amis. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, surtout, à vous abonner, voilà, et activer la petite cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos invocations. N'hésitez pas dans la description à aller voir, voilà, pour ceux qui kiffent les vidéos invocations, il y a une playlist, voilà, où il y a toutes mes vidéos invocations. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à partager un maximum, les amis. Partager, les amis, pour que on soit de plus en plus à regarder les vidéos invocations, de plus en plus à tenter de votre chance pour les comptes, voilà, pour s'agrandir, pour créer une famille, voilà, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, voilà, les amis, je réponds à tout. Enfin, là, clairement, commenter, je participe, tu vois. Après, si vous pouvez laisser un petit message, genre, ouais, t'es trop beau, machin, tu vois, ça aussi, ça me ferait plaisir, tu vois. Mais voilà, sur ce, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.